Merci bien, Marcel. C'est bien apprécié. Hein? Ça fait plaisir, Germain. Hey, Germain! Hey, Lenny! C'est qui, lui? Ah, c'est mon chum Marcel. Il est venu me porter un petit lit pour le bébé. Salut. Salut. Ton chum Marcel, on se connaît-tu? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis un chroniqueur vedette pour un grand magazine automobile. Oh, moi, les vedettes, là. Pas grave. Salut, Germain. Salut, mon Marcel. Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, j'étais en train de mettre la dernière main à un mobile pour mon rejeton. Germain, c'est pas un mobile. C'est des bougies d'allumage. Ben, c'est en plein ça, Denis. Je me suis dit que s'il est comme son père, il va avoir le goût de jouer dans un char, tu sais, puis jamais trop tôt pour apprendre. Ah, puis tu l'as peinturé bleu parce que t'es sûr d'avoir un gars. Ben, j'ai bien l'impression que ça va être un beau gros garçon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sylvie, elle a des rages de bouffe dans sa grossesse, puis elle demande toujours pour la même affaire. Quoi? Les côtes levées de la cage au sport. Ça, ça trompe pas, ça, Denis. Ben, je te le souhaite d'avoir un gars, parce que c'est plus facile à élever. Surtout à l'adolescence. Comment ça? Parce que quand t'as un gars adolescent, t'as juste une quéquette à surveiller dans le quartier. Mm-hmm. Mais quand t'as une fille adolescente, là, t'as toutes les quéquettes du quartier à surveiller. Une petite fête, mon Germain? Ouais, ouais, donc. Coudonc, Denis, donne-moi donc des nouvelles de Marie-Josée. Ouais, ça va bien. Donne-moi des détails. Il n'y a pas de détails. Elle est belle, elle est fine, elle est passionnée, elle est autonome. Écoute, j'ai jamais vécu quoi que ce soit pareil avec aucune fille avant. Ouais, mais côté couchette, là. D'accord, côté couchette, il n'y a rien à raconter. Là. Un gars, le droit d'avoir le goût de prendre son temps, là, tu sais. Oh, mais là, Denis, ça fait 3 semaines que tu es avec elle. Puis? Denis, oh ben, t'es en amour. Pas tout. Je t'ai juste dit que j'avais le goût de prendre mon temps. T'es en amour. De... Moi, la seule fois que je t'ai vu passer plus qu'une semaine avec une fille sans qu'elle arrive à rien. Ouais, ben ouais, c'était avec qui? C'était ta mère. Qu'est-ce que t'as à rire? Oh, rien. C'est juste que je suis en train de lire un livre de prénoms parce que je vais en trouver un pour mon enfant. Puis là, je viens de tomber sur Maguelonne. Maguelonne! Hey, c'est pas un nom, ça, c'est une insulte. Mais là, vous avez pas encore trouvé comment vous allez l'appeler? Non. Oh, puis c'est pas évident, hein? Il va l'avoir toute sa vie, là. Pis... Mais je veux trouver quelque chose d'original, mais pas trop, parce que j'ai pas envie que mon enfant fasse rire de lui. Mais en même temps, je veux pas quelque chose de trop commun non plus. Ah, ben non, c'est sûr. Ah! Mais moi, là, il y a un prénom que j'ai toujours trouvé très, très beau, c'est Chantal. Chantal? C'est un nom de ma tante. Ben voyons donc, il y a plein de Chantal, puis c'est pas toutes des ma tante. Non, mais il y en a plein, puis Sylvie veut pas quelque chose de commun. Mais non, c'est un nom des années 60. Non, ça te prend quelque chose de plus moderne, genre Marie quelque chose... Marilyn? Non, plus Marie-Lise. Hein? Mais là, Marie-Lise... Je sais pas si tu le sais, là, mais dans Marie-Lise, il y a le mot Lise. Pis ça, c'est ma tante rare. Ben, pas si tu mets un Y à la place du I dans ben oui, Lise. Oui, si tu l'écris, c'est quand on l'entend ben que ça fait ma tante rare. C'est à l'écriture. Les filles! De toute façon, là, on regarde plus pour un nom qui finit en A. Ah, genre Vanessa, Cassandra, Pamela. Ben oui, ou Sonia. Hein? Sonia! Ben voyons donc, c'est toutes des noms de danseuses. Mais de toute façon, là, ça se peut que j'ai un gars, hein? J'ai même pas passé d'échographie encore, là. Ah, ben dans ce cas-là, moi j'ai peut-être une suggestion, si c'est pour un prénom masculin. Ah oui, quoi? Gilbert. Gilbert! Quoi? Ouais, c'est beau, Gilbert? Non, Jean-Louis, non, je pense pas, là, non. Puis s'il fallait que je l'appelle Gilbert, là, je me sentirais obligé de l'habiller en brun. Ah. Allô, Germain! Allô, ma belle Vivine! Regarde ce que j'ai fait pour notre progéniture. C'est un beau mobile bleu fait avec des bougies. Germain... Oh, ferme tes yeux. OK! Ouh! Ouais!
Germain, oui? C'est parce que je suis allée passer mon échographie. Ah oui? Puis? Ben, je pense qu'on va avoir une petite fille. Ben, tu sais quoi, Lisa? Moi aussi, je suis bien avec toi. Oui. Qu'est-ce que j'ai mangé pour dîner? Du spaghetti. Toi? Ah, oh, ouais. Hey, hey, c'est assez, mais nous charge au téléphone. J'attends un appel important. Attends un petit peu, Lisa, là. Mon père capote, là. Qu'est-ce qu'il y a? Gars, si vous avez le goût de minoucher comme des adolescents, rencontrez-vous. C'est qu'en attendant, raccroche, OK? Bon, ben, faut que je te laisse. On se voit ce soir? Moi aussi, mon amour. Bye! Hey. Mon amour. Oh, que oui, papa. Je pense que j'ai trouvé la femme de ma vie. Ben, qu'est-ce qui te fait dire ça? Juste parce qu'elle t'a demandé ce que tu mangeais pour dîner? Hey, tu comprends pas, hein, toi? Ben, c'est sûr que t'es pas en amour. Mais je te le dis, là, cette femme-là, elle est extraordinaire. Ben, elle est belle, elle est intelligente. Ben, je peux passer des heures à jaser avec elle tellement c'est le fun. Ah, ben, tu m'en reparleras dans 6 mois et de la passion va être finie. Merci de partager mon bonheur, c'est le fun. Puis toi, là, pourquoi tu voulais que je raccroche le téléphone? Ben, je te l'ai dit, j'attends un appel important. Ah oui? D'une certaine Marie-Josée? Ben, c'est que c'est ça. As-tu appelé? Oui, 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 mais elle a dit qu'elle rappellera un peu plus tard. Ah, c'est correct. C'est qui, ça? Oh, une conquête, hein? Une autre. Ah. C'est comme ça que c'est une de plus, une de moins. Mm-hmm. Tu comprends ça? Allô? Marie-Josée? Oui. Oui. Hey, qu'est-ce que t'as mangé pour dîner, toi? Moi, des hot dogs. Stimé. Ouais. Tu cherches encore un nom pour ton bébé? Mais oui. Ben, justement, je repensais à ça, là. Puis tu sais, c'est très à la mode, des vieux noms. Ben oui, toi, t'en vois-tu beaucoup des enfants qui s'appellent Tancred? Ben non, pas Tancred. Ben, Herménégilde? Wilbrod? Non, je pensais plus à quelque chose comme Léo. Ouais, mais de toute façon, là, oublier les noms de gauche, je pense que je vais avoir une fille. Oui, mais dans ce cas-là, trouves-tu un vieux nom, genre Pâquerette, Elmira, Edourdina? Roxane! Non, mais tu pensais à quoi comme nom? Ben, je pensais à Alice ou Florence. Oh, je trouve ça beau, Florence. Mm-hmm. Ben là, Florence, c'est le nom d'une ville. Ben là, appelle-la Drummondville, ta caillette. Arrête donc! Oh. Oh! Salut, Sylvie. Regarde, je t'ai apporté un petit cadeau pour ton bébé. Oui, un pyjama, j'espère que j'en ai plein. Ah non, 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 beaucoup mieux que ça. C'est une robe de baptême. Oh, c'est gentil! Puis j'ai pensé t'offrir ça parce que on a pensé que Titlaine et moi, on ferait d'excellents parrains et marraines. Ben, je vais y penser, hein, mais on avait déjà des noms en tête, là. Ah oui, oui, mais pense-y comme il faut, hein, Sylvie, parce que, tu sais, parrain et marraine, c'est un rôle très important. Et ça te prend quelqu'un de responsable et de vraiment fiable pour faire l'éducation religieuse de ton enfant. Écoute, moi, je peux tout lui apprendre sur le péché, la culpabilité, la damnation éternelle, les flammes de l'enfer. Oui, 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 oui. Oui, je sais. Merci beaucoup. Mais c'est comme je te le dis, là, j'ai déjà des noms en tête, là. Oh, Sylvie, j'aimerais ça être le parrain du petit Fernand. Fernand? Ben oui, Fernand. C'est beau, hein? Puis en plus, c'est en mode, les vieux noms. Pense-y. Hé, Romain. Hey, Denis. Là. Eh bien, je peinture les meubles de mon futur poupon. Peut-être devrais-je dire de ma future pouponne. Bon. Sylvie a passé une échographie. Oui, et il semble que je serai l'heureux père d'une petite fille. Mais regarde, la preuve, elle me donne déjà du trouble. C'est quoi, juste? Eh bien, Denis, ça, c'est un mobile fait avec la pièce d'automobile la plus importante pour une femme. Un rétroviseur? Non, les femmes se savent pas d'un rétroviseur pour conduire. Pas pour conduire, se maquiller. Oh, hey, regarde. J'ai une photo de l'échographie. Regarde, ça me semble. Mais
Mais je peux pas savoir, je te connaissais pas à cet âge-là. Ben là, ah non, elle est allée en vague. Hein? Ah. Ah. Ah, c'est vrai qu'elle a un petit quelque chose. Hein? Elle a comme. Elle a comme ta petite bedaine de bière. Oh, ben là. Mais là, vous allez l'appeler comment? Eh bien, voilà que le problème surgit. Je devrais faire une croix sur mon premier choix de nom de gars. C'était quoi ton premier choix de nom de gars? Carole. Germain, Carole, c'est un nom de fille. Non, pas si t'enlèves le E à la fin. Alors, Germain. Alors, Denis, il y a bien des gars qui s'appellent Carole. Germain, si tu marches à la rue, quelqu'un crie Carole. Tu penses-tu à une fille ou à un gars? Ben, de toute façon, ça va être une fille, tu sais. Mais là, c'est quoi votre premier choix de nom pour une fille? Claude. J'ai pensé que ça ferait super bien, ça. Ah oui! Oh! Hey! Wow! Elle est vraiment belle! Oh, t'es fine. Merci, mon amour. Oh, me fait plaisir. J'ai vu plein d'autres belles affaires aussi, si ça te tente, hein? Bon. Ah, c'est quoi, là? Tu veux changer ma garde-robe au grand complet? Ah non, mais c'est normal qu'une blonde veuille que son chum soit à son goût. Puis là, hein? Je t'ai ton goût. Oui. Salut! D'où est-ce que tu reviens? Ah, je suis allé magasiner une coupe de vêtements, j'avais besoin. Une coupe de vêtements? Mon Dieu, on dirait que t'as un centre d'achat au grand complet dans les mains. Non, c'est pas un centre d'achat au complet dans les mains, une coupe de petites affaires, c'est tout. Puis avec qui t'es allé magasiner? Avec Marie-Josée, pourquoi? Oh, t'es allé magasiner avec ta blonde! C'est pas ma blonde! Ah non! Puis t'as accepté qu'une simple conquête change ta garde-robe au grand complet. J'ai pas changé ma garde-robe au complet, j'ai acheté une coupe d'affaires, là. Une chemise, des pantalons, des souliers. Mais regardez, là, M. Charest, il n'y a pas de honte à ce qu'une fille magasine avec vous, là, surtout si vous êtes intéressé à sortir avec elle. Je suis pas intéressé à sortir avec elle. De toute façon, on n'a pas magasiné juste pour moi, on a magasiné pour elle aussi. Puis pendant qu'elle essayait du linge, avez-vous tenu sa sacoche? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, parce qu'accepter de tenir la sacoche d'une fille qui magasine, c'est tout un signe d'engagement, ça. Ah, ouais? Ah, t'as fait tenir sa sacoche! Ah, t'as mis des de ta coche. Qu'est-ce que t'inventes, là, toi? Bon, OK. Donc, montre-moi donc voir ce que ton ami t'a fait acheter. Je te l'ai dit, des petites affaires. Une chemise, des pantalons, des souliers, une cravate, une ceinture. Je veux juste voir, là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, shit! Ah ben, regarde donc qui c'est qui est là. T'as passé la nuit chez Marie-Josée? Non. Ben voyons, père. T'es parti hier soir pour aller porter sa sacoche, puis tu viens de rentrer. Puis? Je t'engage qu'il s'est rien passé. Que vous avez passé une partie de la nuit à jaser, là, puis que vous avez dormi en ami. Voyons donc, dormi en ami, tu me connais mieux que ça quand même. Ah, justement. S'il s'était passé quelque chose, là, tu te serais poussé bien avant qu'il fasse clair. Alors, c'est pas ce que tu penses, OK? Fait que t'es vraiment en amour, mon petit papa. Pas toi, tu sais que tu vas chercher là, toi. Allô? Allô, du coup. Allô, ma belle. Comment ça va? T'as dormi ici, toi? Oui, mais c'est pas ce que vous pensez, là. Ouais, y a pas de problème, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, c'est vrai, là. Nico et moi, on s'aime tellement qu'on a passé une partie de la nuit à jaser, puis bon, on a dormi en ami. Ah, Sylvie, je pourrais te parler deux minutes? Ah, ben ça peut pas attendre, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Encore? Mais oui, encore. Coudonc, toi, t'essayes-tu de prendre ton congé de maternité avant le temps? Quel congé de maternité? Tu me donnes un mois. Oh non, attention, là. Deux semaines. Les autres deux semaines, c'est tes vacances. T'es tellement généreuse. Bon, Denis est où, là? Ça fait presque une semaine qu'on l'a vu. Ah, ben, il doit être avec Marie-Josée. Marie-Josée, c'est qui, ça? Ben, c'est une fille que ton père a rencontrée, puis d'après ce que Germain m'a dit, ça a l'air sérieux. Mon père sérieux avec une fille, tu dois te tromper de gars. Non! Je te le dis, ça fait trois semaines qu'ils se voient, puis Denis a l'air de s'attacher. Trois semaines? Mais il en repère. D'habitude, pour la séduire, coucher avec puis la sacrer là, ça y prend trois heures. Ben, c'est pour te dire à quel point c'est sérieux, hein? Ah non, Mélanie, je pense que ton père est en amour. Mon père en amour. Denis en amour. T'es
en amour. Eh bien, peu que oui. Écoute, je pense à elle, je veux toujours être avec elle, je la trouve belle, je la trouve fine. Écoute, elle m'empêche de dormir la nuit. Es-tu normal? Oh oui. Et c'est merveilleux. C'est peut-être merveilleux, mais ça me fait peur. Écoute, ça fait 25 ans que ça m'est pas arrivé. On dirait que je sais plus comment faire. Inquiète-toi pas, Denis, c'est comme aller en bicycle, ça. Ça se perd pas. Ouais, peut-être, mais j'aimerais ça avoir les petits trous encore, là, tu sais. Oh, le premier baiser. La première nuit d'amour. Le premier je t'aime. Oh, la première chicane. La première réconciliation. La deuxième chicane. La deuxième réconciliation. La troisième chicane. Arrête, arrête. Tu m'enlèves le goût, là. Denis, tu vas enfin connaître le bonheur d'être en couple. Ah, tu vas découvrir les films français en allant louer un DVD ou club vidéo. Oh, ben on va pouvoir se faire des soupers de coupe, hein? Se payer une bonne bouffe chez Pacini, là, hein? N'est-ce pas merveilleux, Denis? Ouais, ouais, ouais. Je vais penser à ça, toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Je l'appelle pour lui dire que tout est fini. Non, 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 ne fais pas ça. Tu sais pas ce que tu risques de manquer, là. Ouais, t'as peut-être pas tort, toi. Ah, bon, enfin, te voilà revenu à la raison. Ouais, t'as raison. Je couche avec à soir, je la laisse demain. Oh, oh, Germain! Qu'est-ce que t'as fait avec les accessoires pour bébé? Eh bien, ma Vivi, je les ai tous rosés. oui, mais pourquoi? Parce qu'on va avoir une petite popoune. Ah oui, mais Germain, je t'avais dit que c'était pas encore sûr. Ouais, mais il y a quand même plus de chances que ça soit une fille. Ben, j'arrive de chez le docteur, là, j'ai passé une autre échographie, puis... Oui, puis? Ben, regarde. Oh boy, méchant cordon ombilical. C'est pas un cordon ombilical, Germain, c'est... Ben... On va avoir un petit garçon. Oh, 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 oh. Oh, Vivi. Oh, oui. Oh. Oh, shit. Hé, hey, Romain. Hé, hey, Denis! Tu te fêtes, mon ami? Non, merci. Voyons, qu'est-ce que t'as? T'as donc bien laid down? Dis-moi pas, t'as mis fin à ta relation avec Marie-Josée? Pas tout à fait, non. Ben, mais qu'est-ce qui est arrivé, d'abord? Ben, je suis allé chez elle pour dire que je voulais plus rien savoir, mais j'ai pas été vraiment capable. Tu sais, petit bout par petit bout, tu m'approches, puis je me rapproche, puis... Ben, hein? À un moment donné, on s'est ramassé dans la chambre. Puis t'as pas aimé ça? Hein? Écoute, tu adorais ça, c'était merveilleux. Écoute, on aurait dit qu'elle connaissait mon corps par cœur. On a fait des affaires que j'avais jamais fait de ma vie. L'osmose totale. Mais c'est merveilleux, Denis! Oh, merveilleux, tu dis, pis c'est rien. Sais-tu de quoi j'avais le goût après? Qu'elle sacque son camp comme les autres? Non. Après, j'avais le goût de jaser. Ben, vois-tu, c'est peut-être parce que c'est la première fois depuis longtemps que t'as fait l'amour. Eh oui. J'ai fait l'amour. Et sais-tu quoi? Je pense que je suis en amour, puis le pire, c'est que j'adore ça. Ah, oh, ben c'est au bout de ça. C'est génial pour toi, ça, Denis. Ça va te faire deux bonnes nouvelles dans la même journée. Ah ouais, quelle bonne nouvelle? Ben, regarde les accessoires de bébé, là. Eh bien, Sylvie a passé une autre échographie, et c'est officiel. Nous serons parents d'un petit gars. Bravo, bravo. Mais c'est un petit gars, pourquoi tu le portes peinture en bleu? Ben là, tu sais, veux pas prendre de chance. À un moment donné, un gars, c'est cœur, là, tu sais. Mais là, tu m'as dit deux bonnes nouvelles. C'est quoi, l'autre? Ah, ben, j'ai... j'ai parlé à Sylvie, puis j'ai réussi à la convaincre. La convaincre de? De nommer notre gars à l'honneur de son futur parrain. Il va s'appeler Denis, Denis. Les enfants, j'ai une grande nouvelle pour vous. Papa a une nouvelle femme dans sa vie.
vous dites rien? Ben là, c'est parce que t'étais pas obligé de faire un conseil de famille pour nous dire que tu vas avoir une nouvelle conquête dans ta vie. C'est... Ben oui, y a rien là, là. Depuis qu'on est revenu vivre avec toi, t'en as eu pas loin d'une centaine. Non, vous comprenez pas, là. Cette fois-là, c'est sérieux. Je parle d'une relation stable. Tu niaises pas, là? Du tout. J'ai jamais été aussi sérieux. Vraiment? Vraiment. Ben, mon petit papa, j'ai un mot pour toi. Enfin! Puis moi, ben, je suis contente pour toi. Merci. J'ai toujours eu l'impression que mon père avait 17 ans dans sa tête, mais là, là... Là, t'as l'impression que je viens d'avoir 18. Wow! Minute, là, 17 ans et demi, mettons. Mais je te souhaite que ça dure longtemps. Bon, on va y aller lentement, ça vient de commencer, mais ça va bien. De toute façon, il n'y a pas question qu'elle s'installe tout de suite. Non, je reste autonome. OK. Hey, pa! C'était qui, ça? Quoi? Ben, la brosse à dents, les crèmes, puis le shampoing, puis le reste du Jean Coutu que j'ai dans les mains. Ah, c'est la Marie-Josée.